graphiques sont comme ci ou comme ça et blablabla. Et après, vous devenez super technique. Vous avez pensé aux gosses? Nos jeunes pionniers, faut les intéresser. Tenez par exemple, voilà un modèle graphique. Il est vraiment sympa. Il est peut-être un peu gros, mais je le trouve génial. Je sais pas moi. Oh, ce Rafik, il me trouve le cul. Vous voulez vraiment qu'on dise ça à des gosses? Oh, c'est un exemple, d'accord? Ne dites pas il me trouve le cul, dites autre chose si vous voulez. Mais les visites doivent être fun. Je sais pas moi, laissez les gamins monter sur leur dos par exemple. C'est fun et sans danger. Il faut que les gosses se passionnent pour les gens. Pas qu'ils les trouvent barbants. Putain, on veut qu'on doit ce son. Qu'est-ce que je mourir, toi? ¿Cómo aguantan los hijos de perra? Chuparla. No, no me está dando mucho más. De oír esto después de toda la puta exposición que me dan. Chupala. Acceso autorizado. Tengo lo mejor esto de congelar y me daban más loot. Destroy a freeze enemy, increase the amount of loot you get. Esto no tarda mucho en descongelarse. O sea, en el cooldown. Este podría estar bien. 88, este no lo tengo. De freeze duration. Estoy por ponerme esto. Me dan más loot. Cápsula. Energía. Comment ça marche? Tenez-le devant mes neurocapteurs. Passe-partout activé.
Et maintenant ? Merci de votre aide. Sans cette clé, j'avais l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. Un petit instant. On l'a réparé ou on l'a bousillé ? C'est un modèle de pointe pourvu d'un système de réparation automatique. Une actrice et cosmonaute célèbre a contribué à sa création. Si vous saviez comme je m'en fous. Ah, c'est mieux. Avec votre permission, j'aimerais faire un petit discours. Camarades, bienvenue au centre pan-soviétique des expositions. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça va pas bien ? Il y a des monceaux de cadavres et du sang partout, et toi, tu fais des discours. Mes algorithmes tressaillent d'horreur. Mais mes bases de données n'ont pas les outils visuels et linguistiques nécessaires pour exprimer la peur ou d'autres émotions négatives. J'ai été créée pour rester positive et optimiste en toutes circonstances. Je te sens. D'accord. Personne s'attendait à ça, faut dire. Bon, passe le VDNH en mode d'alerte. Vous en êtes sûr ? Ça ne ferait qu'accentuer le mode agressif des systèmes de sécurité physique et passif. Cela vous mettra en danger et risque de provoquer la mort des survivants, en admettant qu'il en reste. Ouais, s'il en reste, ce bled est devenu un putain de cimetière. Alors tu exécutes mes ordres, robot, compris ? Voilà un ordre des plus particuliers. Tous les gens du complexe ont été tués par des robots. Et pourtant, vous avez survécu. Je trouve cela pour le moins suspect. Prouvez-moi que vous êtes bien humain. Et comment veux-tu que je le prouve ? En me faisant seppuku ? Vous devez réussir le test de Darwin. Il prouvera que vous êtes humain. Qu'est-ce que tu m'attends ? De quoi ? Quel test ? Et si je t'arrachais la tête, ça irait ? Sans elle pour activer le mode d'alerte, on risque de perdre du temps. Je confirme avec plaisir cette information. Putain, ce qu'il faut pas faire. C'est bon, allons-y pour ce foutu test. Prouvez votre humanité, camarade. Placez sur ce piédestal trois objets correspondant aux trois piliers du citoyen soviétique. L'art, le travail et la vie. Putain de mes chouilles, encore une serrure de merde à se farcir, c'est pas possible, je les attire ou quoi ? C'est bizarre, mais bien qu'elle soit un robot, la Tarishkova les adore. Bon, Bella. Oui, toujours ravi de. Tiens, pas fini. Vive la vie, vive le vent, et ta vie dans. Ah, mais ferme-la, ça t'est. Je suis désolée. Tout ceci provoque une. Fais gaffe à tes doigts. Le marteau. Ah. Tu veux pas mettre un truc plus grand, grand. C'est radieux. Sauf que les citoyens de l'État.
Bien vu! Vous avez mis le doigt sur un paradoxe temporel. Quel sens de l'observation! La musique du futur façonne le style musical du présent. Mais la superposition de l'auditeur et des informations perçues forme une boucle cohérente avec elle-même. Pour dire les choses plus simplement, nous écoutons en permanence la musique du futur, tout en déterminant ce à quoi elle ressemblera. Ah, bordel. C'est plus simple, ça. Alors, je ne peux pas entendre la version compliquée. Ça m'a foutu un de ces mal de crâne. Camarade Nechayev, vous avez réussi ce test. Kaya, putain. Quelle excellente idée. Je vous souhaite... Donc, t'es molle du processeur ou quoi? Faut que j'annonce un exercice pour mettre le VDN à... Malheureusement, ce n'est... Non, mais tu te fous de... Toutefois, vous devez... Ok. Ah bon, tout ceci est absolument monstrueux. C'est vous, totalement perdu de tête, ma parole. Un peu de matage là. Voyons ce que le mur là. Subterranéen. BioShock. Tu te rends compte qu'il a pas fait ça tout seul, hein? Mon Dieu, quel désordre! Et qui va devoir nettoyer tout ça? Je devrais faire venir immédiatement les agents d'entretien. J'oubliais, ce sont les agents d'entretien qui ont fait ça! Oh, c'est celui que celui du trailer. Который номер что. Oh, comme j'envie les humains. Vous au moins vous pouvez raser cette affreuse moustache. Mais ce modèle là, ce n'est même pas une machine. Rien qu'une pâle imitation, une caricature, un objet de laboratoire. Excusez le langage. C'est juste que l'un d'eux a essayé de... Enfin, bref, changeons de sujet, voulez-vous? T'as vu, moteur? Il y a de nombreux modèles de technologies. Oh, c'est ils utilisent leur laser intégré ordinairement inoffensif pour abattre les humains à distance. Comment a-t-on pu en arriver là? Un détail important. La spécialisation des techniciens de laboratoire noir est déterminée dans le pack de logiciels codés dans une capsule de neurogel cinétique scalaire spéciale. Vous pouvez récupérer ce pack sur l'un de ces robots tant que sa capsule n'est pas détruite. Quoi? J'ai pas capté un seul mot de ce que tu viens de dire. Je comprends l'humain, pas le robot, moi. Mais enfin, n'avez-vous donc aucune décence? J'imagine que vous connaissez déjà... Comment tu veux détruire les hôtels, putain?
Bouge-toi, on est pressé. Voilà. Le lecteur de contrôle administratif doit se trouver à ce stand. Veuillez établir la connexion. Je... Soyez gentil, camarade Major. J'ai des rouages internes très délicats. Relax, je faisais juste craquer mes doigts. Voilà, ça ressemble à quelque chose. Droit de niveau administrateur, accordé avec succès. Et maintenant ? Je vais vous ouvrir la porte d'entrée. Fouillez les étages du complexe et retrouvez cette pauvre Claire. Je vous guiderai par radio. Dès que vous atteindrez un étage, je le scannerai pour retrouver ces morceaux. La plupart se trouvent au rez-de-chaussée. Merci de la remettre en état. Esta mierda. Así que tengo esto. ¿Esto qué es? Mierda, puedo ver más locura.
guitare tout le temps. Cosas. Si los destruyo estando congelados. Aujourd'hui, je voulais mourir. Vous faisiez la visite guidée, non? Oui. Mais je ne voulais pas venir ici. J'avais juste envie de m'asseoir sur un banc et de me laisser mourir. Quelle ironie, pas vrai? Kolia et moi, on a rompu hier. Ses parents ont été transférés à Sakhalin. Le vrai, pas celui de l'exposition. Et il les a accompagnés. Il a dit qu'on ne pouvait plus être ensemble. Alors, j'ai voulu mourir. Faut reconnaître. Quand on tombe d'un pont, c'est là qu'on se dit qu'on pourrait faire tout ce qu'on veut. Mais alors que j'étais là, par terre, j'ai réalisé qu'il n'y a pas plus bête que d'abandonner l'envie de vivre à cause d'un petit ami. C'est si stupide. C'est clair. Désolé pour vous. Je dirai à la guide que je vous ai trouvé. Elle s'inquiétait. Morir por enamoramientos, como muy estúpido. Si tiene cuenta de... Oh, físico. ¿Verdad? De verdad me dan más cosas si los mato así. Subirles todos. No. No quería hacer eso. Mierda, me equivoqué. Hacer esto. Consigo más partes y los... Oh.
rozpocznie tego rozwiązywacza na najmłodsze na wieżwo. Komu wychodzę się wiesz. Podobu szarty do telekinesis. To tylko czymś sport jest. Nie rzadam. Nouveau scanner. Module membre bras gauche. Détecté. Emplacement étage Pavlov. Dis donc, tu pourrais être plus précise. Ah, mais c'est affreux. Il a été plongé dans quelque chose de chaud et de gluant. Oh, du polymère rouge. Quelle horreur. Ça veut dire quoi, ça? Je suis navré, camarade. C'est la seule information dont je dispose. J'espère pouvoir vous aider. Non, mais ça va. Une serrure. Ça alors. Si je m'attendais. Esto es interesante. Esto me gusta. Bien. Tiene que ser. Ok. No, tiene que ser aquí. Por el revés. Tú aquí. Y tú. Ok. No. No, se la tiene que dar la vuelta. Tú. No. Tú. Y... Tú. No. Tú. No, tú no. Tú. No, mierda. Es este. Y luego es este. Tengo que darle la vuelta entonces, mierda. No puedo ser desde aquí.
No tenemos que darle la vueltota. Está aquí. Ahora mierda, no. Joder. Condón. Seguro. Rayos. Bon, je viens tout juste de me réveiller et j'ai une idée géniale pour une exposition. Enfin, une expérience plutôt. Enfin bref, les visiteurs entrent dans une pièce noire, ils prennent un mouchard et un casque. Et ils entendent quelque chose comme Lisa Tereshkova. Imaginez-vous dans un champ de verdure, entouré d'une forêt infinie, qui s'étend jusqu'à l'horizon. Vous entendez le bruit. Grâce au talent des scientifiques soviétiques, la vie de cette baleine a été transférée dans du polymère. L'adaptation mimétique de ce dernier doit son existence à ces mammifères. Aujourd'hui, les polymères sont utilisés pour s'adapter à l'organisme humain. Et remplacer les organes abîmés sans... La recherche est loin d'avoir abouti. Mais une chose est sûre, cette baleine en polymère est le premier pas dans la prolongation de la vie humaine. Grâce au talent des scientifiques soviétiques. Magnifique exposition. Major, j'aimerais vous demander, si vous pouviez vivre sous une autre forme, le feriez-vous ? Pourquoi pas? C'est toujours mieux que de vieillir dans un vieillir. Je ne l'aurai pas. Encore tout ratatiné. Mais dans l'ensemble, l'immortalité grâce au polymère. Non, c'est un peu rude, pas? Tenir la conscience d'un humain. Vous allez tester des polymères sur why not? If somebody wants to live like that, I say let them. If you don't get fresh blood, every generation will never have any progress. Podría ser. Aunque con los ideales todo el tiempo se repite la misma, el mismo patrón. Entonces todo acaba de decir que el video antes no es mortal, pero el último fallo es solo este ordinario. Difícil a dire. Les élites deviendraient immortelles pendant que le petit peuple resterait ordinaire, comme toujours. Vous n'êtes pas vraiment du genre optimiste, hein? Plus maintenant, non? Tenez, saviez-vous que Michael Stockhausen a piloté un baleinier toute une semaine, lors de laquelle il a pêché cette baleine? Si vous saviez à quel point je m'en tape... C'est un robot. Je vais parler contre un robot. Qu'est-ce que c'est? Let's go. C'est quoi cette mort dans les canistères? Attention, c'est un spécimen qu'on appelle du polybière. C'est extrêmement dangereux. Ouais, station de foudre. Station électrique. Et bien sûr, le bras arraché baigne dedans. Ce serait trop demandé qu'il traîne bêtement dans un... Y es un boss, no se puede congelar.
Oh, mierda. Mucho todos. Resistente a las armas de fuego. No da tiempo a ver qué es lo que me está. Estou tudo aqui para surta. Deja de moverte, puta. Puta. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta puta mierda? Otra vez me he quitado la puta habilidad. Otra vez. Más tan fuertes, mierda. Ay, el puto juego me quita las putas teclas vendidas otra vez. Puta mierda. Mierda, puta. Guárdame las habilidades. Puto juego ruso de mierda. Otra vez. ¡Que me pases, mierda! ¡Puto maricón, hijo de puta!
de cogerme, puta zorra. Ah, chingo. ¿Por qué se está viendo esta puta? No jodas, se me perdió toda la partida. Pero si he estado guardando todo el puto rato, mierda. Chingados, juego de mierda. Es imposible que esto haya sido repetido. Tengo que estar conectado a internet para que se guarde. Putos juegos de mierda. No lo voy a guardar porque no se activó el afterburner. Tienes que repetir todo. Je sais que les membres éminents du parti auront plus d'autorité que les citoyens ordinaires. Tous ces cadavres partout.
estaba guardando todo este puto rato, putos rusos pendejos, mierda. Maricones de mierda, puta. Guardame esta puta mierda. Alors, que choisissez-vous, Major? Comment ça marche? Tenez-le devant mes neurocapteurs. Pour soltar las putas cinematicas de mierda. Pues no me gustan los putos scripts de mierda. Soy mierda. Y maintenant. Merci de votre aide. C'est un peu on l'a exploité. Mais qu'est-ce que tu t'en montres pas? D'accord, bien. Te creo de juego, pero no tengo que hacer otra cosa. Es como que tengo que ver esta puta mierda otra vez. Te prisa, puta. De perra, todos esos pendejos de mierda, putos maricones, mierda, puta. Hola, puta, Dios, putos rusos, hijos de perra, ese puto comunismo de mierda que no sirve, puta, porque los putos humanos son mierda.
Zwracaj, puta! Particulièrement violents. Ils utilisent leur laser intégré ordinairement inoffensif pour abattre les humains à distance. Comment a-t-on pu en arriver là? Un détail important, la spécialisation des techniciens de laboratoire est dans le pack de logiciels codés dans une capsule de neurogel cinétique. Un seul mot de ce que tu viens de dire. Je comprends l'humain, pas le robot, moi. Mais enfin, n'avez-vous donc aucune décence? J'imagine que vous connaissez déjà. Comment on court, je lui crois des pages. Vous envoyez entre ses griffes, mais nous n'avons pas le choix. On court, je lui crois des putains. Utilisez cette capsule pour améliorer vos armes. Mais oui, allez, bouge-toi, on est prêts. Relax, je faisais juste craquer mes doigts. Voilà, ça ressemble à quelque chose. Droit de nouveau administrateur, accordé avec succès. Et maintenant? Je vais vous ouvrir la porte d'entrée. Fouillez les étages du complexe et retrouvez cette pauvre Claire. Je vous guiderai par radio. Dès que vous atteindrez un étage, je le scannerai pour retrouver ces morceaux. La plupart se trouvent au rez-de-chaussée. Merci de la remettre en état.
moi ça. C'est Versailles ici. La classe. Attends, faut que je m'en remette là. Au fait, pourquoi ils ont pas mis des serrures classiques qui sont plus... Genre avec des codes. Sans doute que s'ils l'avaient fait, tous ceux qui auraient piraté le code auraient pu ouvrir la serrure sans autorisation. D'accord, mais tous ceux qui comprennent l'astuce aussi à ce compte-là. Un peu tout le monde, quoi. Thank you.
quoi ressemblent les neuroconnecteurs spéciaux de l'équipe de Sechenov? Ce sont des appareils sur lesquels est gravée la lettre Gamma, et qui ont la forme de bracelet, et que l'on porte autre fois. Gamma? Et les bêta alors? Ce seraient pas les faux connecteurs dont vous parliez l'autre fois? C'est ça, ce sont les faux connecteurs qui portent la lettre bêta. Mais au début, c'était le vrai connecteur. Je pige pas. Les premiers prototypes expérimentaux de neuroconnecteurs avec droit discrétionnaire étaient appelés connecteurs bêta. Il n'y en avait que deux, et le docteur Sechenov les avait conçus en forme de bague. Et ils sont devenus quoi? Eh bien, une fois les tests nécessaires terminés, le docteur a supprimé ces bagues de la liste des neuroconnecteurs spéciaux. Il a alors créé des modèles gamma plus sophistiqués et en forme de bracelet pour chaque scientifique de son équipe. Ok, donc 7 connecteurs gamma. Vavilov, Koryolov, Kurchatov, Lebedev, Pavlov, Sobonenko et Tchelomei. Exactement. Ok. Pour l'espaldre, mieux voir. Je ne peux suivre aucun. Просто. Вот сейчас стало жутко, что будто не ждал.
Não tenho o que tirar. A questão dos estômios lá. Não tenho o que tirar. Vous avez atteint les salles de maintenance des sites, Major. Une des jambes de ma chère Claire s'y trouve sans doute. Ah, la vérité est ailleurs, c'est ça? J'avais encore jamais vu de robot comme cela. Ce robot est extrêmement dangereux, encore un corps. C'est pour ça que je me suis fait botter le cul. Charles, j'ai jamais vu le docteur Sechenov porter un bracelet. Son connecteur alpha est différent? Absolument. Il est unique et sa forme ainsi que son emplacement sont l'un de ses secrets les plus jalousement gardés. Alors ce foutu machin doit être sous bonne garde. Qui s'en occupe? L'unité Argentum? Faire confiance à des humains serait trop risqué. Il est sous la protection du corps personnel du docteur. Quoi? Les jumelles? J'adore leur façon de bouger. Elles sont si gracieuses, si élégantes. Elle me rappelle quelque chose. Tiens. Voilà ta jambe. Auto-répare-toi. Pratique, ça.
scanner. Module, membre, bras droit, détecté. Emplacement, étage Vavilov. Transmission erratique. Données incomplètes. C'est quoi le problème? Pourquoi on peut pas localiser le module ce coup-ci? Je crains de ne pouvoir vous aider. Il y a comme des interférences à cet étage. Source possible de ces interférences, blindage électromagnétique ou présence d'un objet allongé de grande taille. Un objet allongé de grande taille? Bizarre, ça. C'est quoi, un jeu pour les gosses? C'est une clé casse-tête. Super. Et ça sert à quoi? Je crois qu'elle active une sorte de processus. Je vais juste venir, hein. Non, attends. Espèce de saloperie métallique. Tu m'as flanqué une de ces trouilles. C'était un cheveu. Bon, enfin. J'ai le bras. Bien que c'est le bon. J'ai qu'à trouver le reste. T'as un malcon. Solo el puto de broma.
Charles, pourquoi le patron a repris les vrais connecteurs bêta? Ils étaient défectueux. Pas exactement. En réalité, le docteur Setcherer n'était pas convaincu du besoin de droits discrétionnaires au sein de collectif. Donc il voulait l'égalité. Mais les magouilles de Molotov l'ont fait changer d'avis. Peut-être bien. Comment ça peut-être bien? Le docteur Setcherer est de l'égalité universelle. C'est un bien. Mais le Le patron n'avait peut-être pas prévu d'utiliser sa puissance et il en avait simplement besoin pour le lancement. C'est possible, ça. C'est possible. Zauważałem, że kitaj choreperze Rikon ciągał się mata licho de puta, przestrzyż no. Analyse de la zone d'exposition. Module tête détecté. Envoie. Putain, ce qui fait sombre. J'aime pas ça du tout.
Merci de sélectionner la procédure désirée. Solo 200. Estos son buenos. Tendré que esperar. Vamos, mierda. Putain de méchoui. Bah où est-ce qu'on sort de ce bordel? Sous terre? Tuve drama de haber estado afuera. La primera puta sola. Censé trouver cette foutue tête. Vous devez vous rendre dans la salle Icare qui se trouve au premier étage. Où est l'entrée? Malheureusement, je n'ai pas cette information. Je cafouille quelque peu depuis le dispositif.
nous servir. Aucune idée de ce que nous questions. Bah, qu'est-ce qu'on risque? C'est pas comme si on était toi. Tereshkova, vois la salle du générateur ici. Tout en haut. Génial. On a été coupés. Décidément, non, ça veut pas. Et donc, quand l'idée des connecteurs bêta est tombée à l'eau, ils ont créé les neuroconnecteurs avec droit discrétionnaire. J'en ai bien peur. Les luttes de pouvoir au Kremlin ne font jamais fin. Les élites exigeaient le contrôle. Ça de collectif. Bah, c'est les gars du gouvernement. On est en URSS. En effet. Mais le collectif a été conçu pour tous les habitants de la Terre. Et l'URSS n'est pas le seul pays au monde. On peut pas laisser ces sales capitalistes accéder à Collective. Et pourquoi pas, Major? Collective a été conçu pour unir les humains du monde entier à égalité dans un cadre où les robots feront tout pour eux. Chacun aura exactement les mêmes opportunités. M'étonnerait que les capitalistes apprécient. Malheureusement, ceux qui détiennent le pouvoir ne verront jamais l'égalité comme un résultat désirable. C'est la raison pour laquelle le docteur Sechenov a ajouté des droits discrétionnaires à Collective. Je vois. Ser mierda. ¿Dónde se repite esta puta basura? Hijos de perra, ¿cómo chinos no dejan guardar como quiere? Desde aquí, puta madre. On sort de ce bordel. Sous terre. Todos pendejos no son hacer juegos, mierda. Estoy
fijando esta puta basura. Fais chier. Où je suis censé trouver cette foutue tête? Vous devez vous rendre dans la salle. Comment ça? Je trouve au premier étage. Où est l'entrée? Malheureusement, je n'ai pas cette information. Je casse quelque peu depuis le dysfonctionnement. Sans deck, Sherlock. Vous pensez à faire des marques? Ça peut bien nous servir. Aucune idée, ce n'était qu'une suggestion. Bah, qu'est-ce qu'on risque? Pas comme si on avait le choix. Tereshkova, où est la salle du générateur ici? Tout en haut. Génial. On a été coupé. Décidément, quand ça veut pas. Alors, que choisissez-vous, Major? Arme? Les connecteurs bêta est tombé à l'eau, ils ont créé les neuroconnecteurs avec droit discrétionnaire. J'en ai bien peur. Les luttes de pouvoir au Kremlin ne prendront jamais fin. C'est des gars du gouvernement, on est en URSS. En effet, mais le collectif a été conçu pour tous les habitants de la Terre. Et l'URSS n'est pas le seul pays au monde. On peut pas laisser ces sales capitalistes accéder à collectif. Et pourquoi pas, Major? Collective a été conçu pour unir les humains du monde entier à égalité dans un cadre où les robots feront tout pour eux. Chacun aura exactement les opportunités. Le chemin que les capitalistes apprécient. Malheureusement, ceux qui détiennent le pouvoir n'ont jamais vu comme un. C'est la raison pour laquelle le docteur Sechenov a ajouté des droits discrétionnaires à Collective. Je vois.
comme quelqu'un de stupide. Devo saltare una sua ventura. E poi levo contro il bosco qui. Ora. Là que vient le courant. Oh mince, on m'a sauvé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu m'enfuir, mais... Désolé, j'ai pas le temps, là.
Du coup, Charles, vous, Filatova, n'était pas simplement ange-fille avec Petrov par amour. Comment vous en êtes si sûr? Larissa Filatova est une scientifique aussi accomplie que talentueuse. Merci de sélectionner la procédure désirée. Puse todo el inventario. Puedo volver después aquí.
Agent Stockhausen. J'ai fait faire la visite secrète du PNH au journaliste étranger. Il a tout vu. Vous auriez vu sa tête. Il était comme fou. Les capitalistes seront verts de jalousie en lisant son article. Nul doute qu'ils nous imposeront de nouvelles sanctions, tout en nous commandant d'autres robots. Ils sont vraiment étranges. Mucho más el ataque. Bon, le premier bras, ça va. Vamos de mierda. Chúpala, maricón. Mierda de puta. Son garde en cours.
l'envers ou quoi? Une serrure. Ça alors, si je m'attendais. Deberías ser un guardado manual. Entonces tengo el juego. ¿Dónde está? Si no se me corren para atrás la puta partida de mierda. Podría guardar. Se bugueaba. Se me dice aquí. Alors, que choisissez-vous, Major? Arme ou capacité? Mierdas estas. ¿Dónde está la recipe? Mort dans les canistères. Attention, c'est un spécimen qu'on appelle du polyvière. C'est extrêmement dangereux. Ouais, j'ai déjà vu cette saloperie. Et bien sûr, le bras arraché baigne dedans. Ce serait trop demandé qu'il traîne bêtement dans un coin. Je vais me faire un peu de temps.
Oh, no tengo mierdas de estas. ¿Esto qué es? Me las quité. D'après mes données, le deuxième canistère est correctement scellé. Oh, la moto. Sigue fallando mal internet. Mierda. Tengo que ir a poner una cada vez. Le bras gauche. Répare-toi toute seule maintenant. Ok, voilà autre chose. Bienvenue! Qu'est-ce que je suis? Intéressant. Putain. Okay.
voyons si ce truc peut nous aider. Ça le fait, ouais. Tereshkova, tu me reçois ? 5 sur 5, camarade ! La communication est rétablie ! Bon, elle est où, votre caboche ? La mienne ? Sur mes épaules. Celle de Claire doit se trouver quelque part à votre étage. Comme je disais, quelque chose l'écrase avec une force terrible. Comme une bonne migraine quand un marteau piqueur. On dirait un labyrinthe pour les gosses. Ça va être du gâteau. On est du genre bondissant, hein? Je te connais le gyroscope de Dolcins. Je serais bastante. Comment je te fais tourner, toi? Oh, un bordillo, qui est ton corteur, la vérité. Que j'ai pigé. Ah, on progresse. Oh, c'est croissant. J'ai besoin de la moindre idée de ce que vous faites, Major. C'est moi, ça va l'intro. Je t'ai fait faire un tour de merde. Ah, une petite minute. C'est vraiment si difficile. Oh, que feu de putain. Oh, je vais prendre le putain de merde. Putain de bordel de méchoui de merde. Je suis mal. Je t'ai eu! Ah! Trop bien! Trop facile! Non, c'est obligé de dar toda la vuelta. Una pared invisible, mierda. Hijo de puta. Mira cómo sube ahí, hija de perra. Qué feo, hijo de puta. Bon, j'ai trouvé la tête. Faut pas moisir ici. Charles, une idée du temps qu'il nous reste? Je ne sais pas exactement, mais pas beaucoup. Enfin, j'ai toutes ces pièces. Chingo, pensé que se iba a agarrar el hijo de puta. Putas plataformas.
C'était quoi le problème avec les vrais connecteurs bêta? Comme collective était à l'origine conçue sans droit discrétionnaire, tous ses partisans étaient censés être égaux. Je sais, on en a déjà parlé. Alors pourquoi il leur fallait des appareils bêta? Afin de sécuriser collective contre les menaces provenant de ceux qui... Impossible, on est tous égaux dans collective. Merde, le connecteur alpha. En effet. Tiens-moi ça, tu vois bien? Cela pourrait causer des pertes humaines, ce qui serait... Et en quoi les connecteurs bêta en fait? Ils n'ont pas conféré des droits discrétionnaires. Alors merci, ils leur ont permis d'être présents au sein de collectif. Et alors? En gros, c'est ce qu'on a en ce moment. Vous n'avez que... Le patron voulait donner des bagues bêta à des robots pour que personne d'autre puisse les contrôler. Le docteur Sechenov avait l'intention d'intégrer à ses sujets pour garder le collectif. Viens ici. Tant qu'il était possible. Chingado, hijos de puta! Pour détruire los hijos de perra. Ça serait possible de lancer collectif avec tout le monde à égalité? Détruire le connecteur alpha? Certainement, mais cela a une question. Qui pourrait voir ça? Le docteur Sechenov? C'est moi qui l'ai rendu majeur. Oui. Quoi? C'est bon, j'installe la tête. Toutes ces pièces sont en place. Et maintenant? Procédure de réparation automatique terminée. Prête au service. Merci, camarade. Nous allons enclencher la séquence de lancement. Première séquence du code de lancement généré. Confirmez que les séquences correspondent. Seconde séquence générée. Correspondant à des séquences confirmées. Changement du mode d'opération du VDNH. Nouveau mode. Alerte. Je crois que ça a marché. Merci, les filles. Camarade. Écoutez, camarade Molotov, je vous en supplie. C'est très dangereux ici. C'est très dangereux. On m'avait pourtant dit que tout était sous contrôle. Il ne restait qu'un léger problème à régler, mais le major Nechev, pardon, je veux dire l'agent P3, s'en est déjà chargé. Et de quoi s'est-il occupé, au juste? Il y a du sang partout ici. Ce n'est pas du sang, mais de la peinture. Camarade Sechenov, vous jouez un jeu bien dangereux. Bonjour, camarade Molotov. Je ne comprends pas. Quel jeu? Vous savez de quoi je parle, camarade Sechenov. Vos dysfonctionnements sont en réalité une catastrophe mondiale. Vos robots, en mode combat, des victimes humaines innombrables. Je continue? Oh, je vous en prie. Mais j'aimerais d'abord savoir comment ces informations nous sont parvenues. Par Viktor Vassilievitch Petrov, votre ingénieur, un éminent roboticien, doublé d'un citoyen soviétique très honorable. C'est ce qu'il était avant. Aujourd'hui, c'est le prisonnier 230385, condamné à des travaux d'intérêt général au complexe Vavilov. Sur votre ordre, vous avez directement enfreint nos lois soviétiques. En tant que ministre, de l'industrie, vous en connaissez les conséquences. Voici le mandat du procureur général. Le lancement à venir du réseau neuronal collectif est annulé. Et vous allez vous-même faire l'objet d'une enquête en bonne et due forme. Est-ce que je me suis bien fait comprendre, camarade Sechenov? Camarade Molotov, pourrais-je vous dire un mot en privé? Croyez-vous que ça changera quoi que ce soit? Bien. Je vous retrouverai ici dans 15 minutes. Michael, rendez-vous à l'aire de décollage. Qu'est-ce que c'est ta merde, hein? Très bien, monsieur. Excusez-moi. Je vous en prie. N'avez-vous pas hâte d'aller retrouver...
trouvé votre mail. Sur le tas, là. Stockhausen, si, semble-t-il. Ça ne va pas, Major? Je vous ai posé une question. Verrouillez la porte. Je vois ce j'ai dit verrouiller la porte. Estou passando com os fujos. Gritando-os. Con cómo es ver las manzanitas. Interesante. Revisión de niño. Retrouve-moi.
Ça c'est genre. Tengo que recoger todos. Ah, joder. Puta. Con todo esto estaba recordando que acaba de salir un nuevo trailer de la peli de Mario. Llevo tiempo queriendo hacer la animación. Me habrá tiempo a hacerla antes de que salga la película. Ils sont tous morts. Regardez, le corps de Molotov est là. Et les autres? Combien de personnes l'accompagnaient? Une quinzaine, ouais, je dirais. Ils sont altissimes. Certains ont peut-être survécu. Allez vérifier. Ah, bordel, il s'est passé quoi ici? Putain, qui a fait ça? Des robots ont dû entrer. Tu as eu de la chance de pouvoir t'en sortir. Camarade Sechenov, tous les membres de la commission sont morts. Ils sont tous morts. Voilà qui est tragique. Creo que mais no ça ne change rien. Il faut toujours activer le réseau collectif. Je suis bien d'accord. Mais que fait-on du cadavre du camarade Molotov? Nous n'avons pas tellement le choix. Droite, occupe-t'en. Michael, allez à la station radio. Assurez-vous que la ligne avec le gouvernement a été coupée. Dépêchez-vous. No, le Kremlin va s'attendre à recevoir un rapport du camarade Molotov. J'informerai le Politburo moi-même de cette tragédie. Vite, Michael. Il nous reste peu de temps. Izquierda y derecha, se llaman. No tiene nombre. ¿Cómo te sens, mon garçon? Izquierda lleva una chaquetita. J'ai encore échoué. Dorada. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup pour nous tous, ce terrible incident. Oh, este es lo del trailer. Que sea necesario hacer todo esto para ferromagnético. Nanomachines. Mm-hmm.
funcionaron con mis puntos de valor. Es muy ruso este juego. Camarade Sechenov, on a un problème. Le central a commencé à émettre. Quelqu'un est en train d'essayer d'envoyer des informations à l'ouest. Qui ferait une chose pareille? Il n'y a que deux personnes à pouvoir le faire. Vous et Petrov. Petrov est mort. J'ai vu son corps. Que son corps? Mais Petrov est avant toute chose une tête. C'était bien son corps. Comment c'est possible? Filatova. Quand on a un complice neurochirurgien de la trempe du docteur Filatova, tout devient possible. Avez-vous remonté le signal? Petrov masque sa signature, mais je suis sûr que ça vient d'un des centres scientifiques. Tu as entendu ça, mon garçon? Trouve-le. Dépêche-toi. Tirando como son las manzanas para la siguiente. A ver qué pasa. Si es que el siguiente. Charles, qu'est-ce qui s'est passé ici? Que voulez-vous savoir au juste? Gouvernementale. Et pourquoi j'ai survécu? Désolé, je ne peux pas vous aider. Vous avez perdu connaissance comme si vous aviez été frappé par des lumières. À ce moment-là, j'ai été désactivé. C'est bon, je reste au sera. Tout le monde est en stream, mais c'est une émotion de cette merde. O no, mejor no. A ver después. Tengo que hacer el storyboard. Tendré que hacer el storyboard primero. Y los model sheets. Bueno, chupar.